nos carnets de santé, nos poèmes, nos dessins, nos demandes de congés, nos premiers chats coquins, nos recettes de cuisine, nos relevés bancaires, nos rencarts, notre planning et notre compte à découvert. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Si tu n'as rien à cacher, alors on pourrait mettre une caméra dans ta chambre à coucher et dans ta salle de bain et en publier les images sur Internet. Ou alors si tu n'as rien à cacher, on peut prendre ton login et ton mot de passe sur Facebook ou sous Google, les publier et que chacun puisse aller fouiller dedans. Nos listes de choses à faire, nos tendres SMS, nos écrits de colère et nos carnets d'adresses, nos cafés préférés, nos horaires de piscine, nos ennemis jurés et le nom de la voisine. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Se dire « Oh, je n'ai rien à reprocher, donc je n'ai rien à cacher » est un petit peu absurde dans un monde où la surveillance est généralisée et où on a vu que c'est à trois niveaux de relation que les individus sont surveillés par la NSA. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est le frère, peut-être perdu de vue, d'un type barbu qui est soupçonné de commettre des actes de terrorisme, si vous n'avez rien à voir avec cette personne, alors c'est potentiellement tous vos emails, toute votre navigation, tous vos coups de fil, tous vos SMS qui sont espionnés par la NSA. Nos cartes d'adhérents, nos radios, nos scanners, les photos de nos parents, nos bulletins de salaire, notre poids en chocolat, nos drogues favorites, les vidéos du chat et nos idées politiques. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Ces choses que l'on a envie de garder pour soi, c'est son intimité. C'est là que tu peux expérimenter avec des théories, des hypothèses. Tu peux dire, et si... Oh, et puis non. C'est là que se niche ce que l'on pourrait appeler la créativité. Et c'est ça qui est menacé. Lorsque l'on se sent surveillé. Lorsque l'on est surveillé. Nos mails inachevés, l'adresse de notre docteur, notre âge est détaillé, nos relevés de compteur, nos préférences sexuelles, à bien y réfléchir, sont pas si personnelles que l'on veut bien le dire. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. En fait, on a tous quelque chose à cacher. Quelque chose à cacher de son petit copain, de sa femme, de son patron, de son collègue, de ses amis. On a tous au moins un quelque chose à cacher de quelqu'un. On voit bien que les comportements changent quand on se sent espionné, quand on se sent surveillé, quand on ne peut plus bénéficier de cet anonymat qui fait partie directement de la protection de notre vie privée, comme il fait partie de la liberté d'expression. Nos lectures matinales, nos clics et nos cauchemars, les sources de notre journal, si on se lève tôt ou tard, nos entretiens d'embauche, le montant de nos impôts, notre conception de la gauche et la taille de notre bureau. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Si toi tu penses que t'as rien à cacher et que du coup tu t'en fous et que t'as envie de tout donner à Google et à Facebook, bien tu te rends pas compte qu'en faisant ça, tu vas aussi donner une partie des communications de tes correspondants, de ta famille, de tes amis à Google et Facebook. On devrait exiger des pouvoirs publics, ils imposent des régulations strictes de la protection des données personnelles et de la vie privée, de la même façon qu'on devrait exiger un encadrement strict des activités de renseignement et des activités de surveillance. À part bien sûr notre vie privée, on n'a rien, 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 rien à cacher. À part bien sûr nos petits secrets, on n'a rien, 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 rien à cacher.